J'étais interrogé la semaine dernière par la commission citoyenne sur la vaccination pour exprimer le point de vue des médecins généralistes que je représente. MG France étant le premier syndicat des médecins généralistes, nous passons beaucoup de temps à recueillir, à écouter, à questionner, à enquêter aussi auprès de l'ensemble des médecins généralistes, de nos adhérents aussi bien sûr, pour savoir un petit peu dans quel état d'esprit ils abordent cette nouvelle phase de la lutte contre l'épidémie qui est la vaccination. Alors, les médias ont l'habitude de me demander et de me dire, mais vous, ça y est, vous êtes enfin impliqué dans la lutte contre l'épidémie maintenant, puisque vous allez pouvoir vacciner dans vos cabinets à partir de demain. C'est vrai et c'est faux. C'est vrai parce qu'effectivement, demain, c'est une nouvelle page qui s'ouvre, c'est une nouvelle phase de la lutte qui commence avec la vaccination en proximité. Là où les gens viennent consulter quand ils sont malades, que ce soit auprès de leur médecin généraliste, demain, ça sera auprès d'infirmières, auprès de pharmaciens éventuellement, quand on aura beaucoup de vaccins. Cette première phase, elle commence avec les médecins généralistes parce que on n'a pas encore beaucoup de vaccins. Hein, donc, c'est un premier pas, mais les vaccins continuent à nous arriver de façon irrégulière, un petit peu, et un peu au compte-gouttes. Avec des vaccins dont on nous dit qu'on va en avoir, c'était le cas la semaine dernière, 700 000, finalement on en touche 540 000, donc voilà, ça va doucement. Et donc tant qu'on n'en a pas beaucoup, on part au plus pressé. Le plus pressé, c'est de protéger les gens les plus vulnérables. C'est pour ça que c'est les médecins généralistes qui sont impliqués, parce que nous connaissons a priori le mieux dans nos patientèles, dans les gens que nous voyons tous les jours, qui sont les plus vulnérables. Et nous sommes capable de repérer dans nos patients à qui nous voulons proposer vraiment rapidement un vaccin pour leur éviter, si jamais ils avaient la malchance de tomber malade, d'avoir une forme grave, d'aller à l'hôpital, d'aller en réanimation, voire de mourir. Donc pour nous, c'est vraiment une priorité. Et donc demain s'ouvre la vaccination des 50-64 ans qui présentent une affection de longue durée ou qui ont un surpoids. Donc on va commencer par là. Par chaque médecin généraliste, ça représente une cinquantaine de patients. Mais comme je le disais, on n'a pas attendu cette phase de demain. Déjà, on a auparavant été très impliqués, et on continue à l'être, bien sûr, dans les centres de vaccination. Alors, les centres de vaccination, ça a commencé juste au début de l'année, après les vacances de Noël. Et c'était d'abord très souvent dans les grands hôpitaux, dans les CHU ou dans les hôpitaux principaux. Assez vite, les médecins généralistes et aussi d'autres professionnels de santé de ville se sont impliqués dans la vaccination et ont créé des centres de vaccination libéraux en demandant aux ARS, aux agences régionales de santé, de leur mettre à disposition des doses de vaccins. Et là, il s'agit de vacciner les personnes âgées de plus de 75 ans. Et rapidement aussi, on s'est rendu compte que si on voulait laisser personne au bord du chemin, il ne fallait pas simplement ouvrir la vaccination à travers des plateformes sur lesquelles on s'inscrit, type Doctolib, mais il fallait aussi que nous ayons la possibilité de repérer les patients pour lesquels on voulait agir vite, hein, des gens qui, pour certains d'entre eux, ont du mal à prendre un rendez-vous sur Internet. Et ces gens-là, on en a fait la liste, on a croisé ces listes avec celles qui avaient été faites par les mairies, qui connaissent bien également les personnes vulnérables. Et on a ainsi pu à la fois offrir des vaccinations à la population qui peut s'inscrire, mais aussi garder des places pour nos patients les plus fragiles. Et donc, aujourd'hui, en résumé, on a deux offres de vaccination parallèles en place, une pour les plus de 75 ans, à travers essentiellement les centres de vaccination, et une autre pour les 50-65 ans, qui débutent à partir de demain, donc, dans les cabinets de médecine générale. Alors, les perspectives, pour conclure, pour finir, bah, c'est d'abord trouver une solution pour les gens âgés entre 65 et 75 ans, hein, puisque, en fait, eux ne peuvent pas bénéficier du vaccin AstraZeneca parce qu'il n'est pas indiqué à leur âge, et le vaccin Pfizer, il n'y en a pas assez déjà pour les plus âgés. Donc, il faudrait qu'on ait un vaccin pour eux. J'espère que les prochains vaccins, peut-être que le vaccin Astra aura son indication élargie à des plus âgés, c'est possible. Il y a des résultats encourageants en Grande-Bretagne qui pourraient nous le laisser penser. L'autre solution, c'est que d'autres vaccins arrivent. On parle beaucoup, vous entendez parler de ça, du vaccin Janssen. Peut-être que ce vaccin Janssen sera élargi à ces patients-là. Quoi qu'il en soit, nous attendons tous, évidemment, et vous aussi sans doute, le moment où on aura une offre de vaccination beaucoup plus importante. À ce moment-là, on pourra s'associer à d'autres professionnels de santé et vacciner le plus possible avec beaucoup de doses
évidemment de terminer les patients les plus fragiles et ensuite de proposer la vaccination, je dirais, à tous âges pour essayer d'aboutir le plus rapidement possible à une protection collective par la vaccination, parce qu'on sait bien que plus on sera nombreux à être vaccinés, plus mieux on sera protégé et plus vite, sans doute, on arrivera à se sortir de cette épidémie qui n'a que trop duré.